Hey, salut à toutes les belles et Marceline de France, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais très bien. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je vous fais un doublage sur Les 101 Dalmatiens, le live qui est sorti en 1996. Voilà, tout simplement. Alors, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire comment, si ça vous a plu ou pas. Alors, je tiens à dire, avant que ça commence, que ce n'est pas parfait. Hein. Voilà, c'est assez dur de faire des doublages comme ça. C'est juste pour les lèvres, c'est assez chaud, voilà. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Merci de commenter, de liker et de me dire votre avis. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine et bon visionnage. Allez, générique, salut! Ah, je vois que nous avons un nouveau venu sur la chaîne. Alors, bienvenue à toi. D'accord, bon, il n'y a pas le feu, cool. Mais du calme, Adès, il n'y a pas le feu. Avec les abonnés, on est toujours heureux. Alors, ne reste pas tout seul dans ton coin. Prends le train et viens dans l'univers merveilleux et fabuleux de... Disney Music Odyssey vous présente... Attends une seconde, il faut que je te parle de Skinner l'écorcheur avant qu'il rencontre. À ce qui paraît, lorsqu'il était tout jeune, un jour son chien l'a attrapé à la gorge et y a arraché les cordes vocales. Il est resté complètement muet et mutilé et ne pouvait plus parler du tout. Écoute-moi, regarde-moi, c'est très important. Il y a deux choses qu'il ne faut pas faire avec Monsieur Skinner. Vu ? Primo, tu ne regardes pas l'horrible cicatrice qu'il porte au cou. Deuxio, tu ne lui parles pas. Pas un mot. Bon. Ah ! Regarde la taille de cette cicatrice, mon Dieu, quelle horreur ! Bah, c'est pas étonnant que vous ne pouvez plus ouvrir votre bec. Veuillez m'excuser.